Allez, yop tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Nous allons parler eh bien, du prochain DLC. On a un peu plus d'informations, donc c'est pour cela que je vous fais cette vidéo. Mais juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à me lâcher ton meilleur like, ça fait super plaisir. Un très grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et on peut commencer la vidéo. Donc la semaine dernière avec les promotions, on a vu qu'il y avait un challenge à réaliser avec Simeon. Il fallait tout simplement livrer les voitures, donc vous savez les espoirs qu'on faisait à Simeon. Et il fallait livrer beaucoup de voitures pour arriver à un objectif de 15 milliards de GTA dollars. C'est vrai que c'était un peu beaucoup, surtout juste pour les exploits de Simeon. Ça faisait en tout, j'ai vu une stat par rapport à Tesfun qui l'avait tweeté, ça faisait plus de 50 000 voitures livrées par jour. Vous imaginez, c'est quand même énorme. Et donc, bien évidemment, ce challenge a été réussi. Je vous lis ce que nous dit Rockstar Games via leur communiqué. Bon, je ne l'ai pas encore en français, donc il se peut qu'il y ait des mots un peu foireux. Merci la traduction automatique. Donc, mission accomplie. La semaine dernière, Simeon a demandé qu'un total de 15 milliards de GTA dollars en vendant du coup les voitures, enfin en amenant les voitures d'export, très demandé jusqu'au quai. Il a calculé les chiffres et payé les frais de livraison pour des courses d'une valeur, attention, de 19 053 404 749 GTA dollars. Donc c'est vraiment énorme. C'est sûr de toute façon que ce challenge allait être explosé encore une fois. Là on part sur un nouveau challenge de braquage. Je vous invite à aller voir les promotions. C'est sur l'acte 3, donc un scénario de fin du monde. En plus le braquage est doublé, donc c'est vraiment bien. Il faut atteindre 100 milliards. Ça va être explosé aussi, ça c'est sûr. Surtout que c'est doublé, donc c'est vachement sympa. Et pourquoi je vous parle de cela? Eh bien on a une nouvelle information donc par rapport à une prochaine voiture qui va arriver pour le DLC de décembre. On continue sur le petit communiqué de presse, donc cela va vous permettre de débloquer une livrée spéciale pour la prochaine super voiture, donc ça va être la Grotti Turismo Omaggio, donc qui sera disponible pour tous les joueurs avec la mise à jour de GTA Online en décembre. Je vous mets la petite photo, de toute façon vous l'avez vue à la Mia, elle est vraiment sympa, vu comme ça. Après, il faut voir qu'est-ce que ça va donner quand on va l'avoir. Mais regardez-moi le motif. Le motif est trop stylé. Le petit motif Rockstar Games, là, je le trouve vraiment très très sympa. Bon, bien sûr, c'est pour les 25 ans de Rockstar Games, encore une fois. Mais personnellement, je trouve ce motif vraiment très très cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, la photo est aussi très jolie, il faut se le dire. Mais là, franchement, ça me hype un peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire à quelle voiture elle vous fait penser irréelle. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis assez curieuse d'avoir votre avis. Et puis voilà pour cette petite vidéo. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé. C'était BGK, je vous dis bon game sur GTA Online. Ciao tout le monde!